Yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there. Hop, un déchet de moins sur la route. Hein, je suis pas un mec bien, franchement, c'est pas un mec cool. Combien tu paries, je suis un mec cool? Non, plus sérieusement, c'est vrai que si tous les randonneurs faisaient ça. Ah bah, tiens, un autre. Si tous les randonneurs au moins ne jetaient pas leur papier par terre et ramassaient ceux des autres, on aurait des chemins de rando beaucoup plus propres. Ce serait pas un mal parce que c'est un vrai fléau ici. Bienvenue dans le village de Swanta, donc ma troisième étape, qui est une ville assez difficile d'accès, mine de rien, passant par des rivières, des pentes assez ardues. Et je me suis fait à moitié attaquer par deux boucs qui étaient en train de se battre, je les ai dérangés, et un taureau qui a dû voir mon sac rouge et qui s'est un peu énervé quand je suis passé, mais tout va bien. Alors, petite anecdote loose du jour, juste quand je faisais la vidéo avec la lune, j'ai posé mon sac sur le chemin et il s'est avéré qu'il y avait une bonne grosse bouse de vache bien fraîche juste en dessous le sac, et j'ai donc couvert mon sac de bouse et là je supporte plus ma propre odeur jusqu'au prochain village où je pourrais nettoyer mes fringues. Grand moment de solitude. Mais c'est le genre de moment qui te fait te dire qu'il faut être 100% conscient de ce que tu fais tout le temps. J'ai eu un moment d'inattention parce que j'étais motivé pour faire ma vidéo et j'ai posé mon sac n'importe où. Donc toujours être 100% conscient de ce qu'on fait en rando, ça évite de tomber et de foutre son sac dans de la bouse. Non, mais quand j'y pense, ça doit être le pipi, ça doit être un signe de ralliement, une marque d'affection pour dire que je suis bienvenu dans la tribu, hein, puisqu'ils doivent savoir que je parle leur langue. Je vais d'ailleurs, pour vous le prouver, je vais leur dire bonjour, je m'appelle Brice, j'adore ce que vous faites. Voilà. Les plus sonnés pâles peuvent être un peu touchy parfois. Je rigole plus du tout, c'est un peu grave ce qui est en train de se passer. Là il y a eu des grosses tombées de pluie et il y a toujours des coulées de boue et le chauffeur continue de rouler sur des routes très étroites et en bord de ravin. Je sais pas si je vais arriver au bout de cette journée, mais si je le fais pas, bah, je vous aime les amis.